We'll be right back.
Thank you.
Yo
et Paris créa la femme. La signature Kremer, une réelle mise en avant de ce savoir-faire et de l'identité de la marque Kremer. On va remercier également Stéphanie Holler pour la coordination en sa qualité de responsable communication et marketing. On va aussi remercier les artistes. Vos applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour Eric Spech, Cédric Valentin, Nicolas Tisler et Jonathan Herzog. Et on a un privilège aujourd'hui. Parmi vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il y a le fondateur de la marque Kremer. J'appelle sur scène Yannick Kremer. Alors Yannick, venez. Ce jeune homme, merci d'être avec nous aujourd'hui, ça nous fait très plaisir. Vous avez une super équipe hein, entre vous et moi. La relève est assurée. Hein. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui, hein, à Strasbourg, dans ma ville en l'occurrence. Beau. Ah, magnifique, superbe. Bravo à tous. Vous avez ressenti le frisson ? Comme d'habitude. Et parallèlement, aujourd'hui, il y avait le show ici à Strasbourg, et à l'opposé, on avait le même show à Mexico. Un signe extraordinaire, ça. Hein ? En effet. Les étoiles se rencontrent. Hein ? Oui. Alors, on tient à vous en féliciter, puisque vous avez une super équipe, vous avez des gens extraordinaires dans votre groupe. On peut vous retrouver à quelle adresse précisément ? Quand vous êtes dans le salon, c'est où ? Ben moi, je travaille encore un petit peu le samedi rue de la Mésange à Strasbourg. Alors, tout samedi rue de la Mésange à Strasbourg pour voir Yannick Kremer. Merci à vous, les talentueux coiffeurs. Merci aussi aux mannequins, à la coordination. Vous avez une très, très, très belle équipe. Et encore une fois, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un coup de chapeau à cette équipe Kremer. Bravo, bravo. Merci. Avec une très belle marque, une très belle signature. Et puis, j'ai bien aimé donc cette mise en avant, mise en beauté. Et je suis très content de vous retrouver parce qu'on s'était vu à la dernière du Palais des Congrès à Paris. C'était en 2004, il y a déjà 12 ans. C'était la toute dernière fois que le Mondial Coiffure Beauté avait lieu à Paris au Mondial, au Palais des Congrès. C'était l'écrin, en effet, de Mondial Coiffure Beauté. C'était un endroit où on s'est rencontrés, en effet, avec une scène extraordinaire aussi que vous avez su animer comme il se doit. Merci beaucoup. Merci. Yannick Kremer, le fondateur de la marque. Et la relève est assurée. Je rappelle les noms des coiffeurs. Eric Spech, Cédric Valentin, Nicolas Tisler et Jonathan Herzog, qui s'est exilé en Suisse. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, rendez-vous donc sur le plateau pour voir donc de très, très beaux shows. Merci Yannick encore. Après ce show, eh bien évidemment, il y en aura un tout dernier à 15h. Ça va...